Le 15 février 2020, au 5 rue du 14 juillet à Kremlin-Bicêtre, l'honorable Diomandé Mamadou, président du CIRAD, a présenté officiellement à la diaspora la coordination France du cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement. Selon l'honorable Diomandé, pour permettre aux vraies nécessités de bénéficier effectivement des dons qui leur sont destinés sans base ethnique ni politique, mais humanitaire, il faut des femmes, des hommes intègres et des donateurs qui sont rassurés que ces aides arriveront à bon port. À cette rencontre, l'honorable a projeté un film des activités du CIRAD et des dons déjà remis aux bénéficiaires. Notons la présence de M. Jean-Claude Makoya, adjoint au maire d'Auxerre, en vue d'un futur partenariat du CIRAD et de sa cité, ainsi qu'un pater de futurs donateurs venus de toute l'Europe. La coordination CIRAD France est dirigée par Mme Dossona Bintou, entourée de coordinateurs Europe et de ses membres. À cet effet, pour plus d'efficacité et atteindre ses objectifs, le CIRAD a prévu la location d'un entrepôt et des moyens de transport pour pouvoir enlever et stocker tous les dons qui seront faits au nom des ONG et associations membres du CIRAD. Était présente à cette cérémonie la FADIV, Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, présidée par Madame Awa Cissé et l'UAFIF, entendez Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France, présidée par Madame Carole Sani. Écoutons à présent l'honorable Diomandé Mamadou pour faire plus ample connaissance avec le CIRAD. Ok, mesdames et messieurs, bonsoir. Je dirais bonsoir à nouveau pour ceux qui étaient déjà là. Et le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est un rendez-vous d'échange et en même temps des présentations de CIRAD à nos frères de la France, mais aussi à nos potentiels partenaires sociaux, pour leur dire ce que c'est que le CIRAD, pour leur dire comment le projet du CIRAD est structuré, et en même temps recueillir leurs avis, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, d'avoir élaboré quelque chose qui est parfait. Il faut toujours parfaire l'outil. Le CIRAD est né d'une idée, de celle que nous venons des pays pauvres, des pays en développement où la pauvreté perdure, où les personnes faibles, les personnes vulnérables, je dirais le nombre s'accroît de jour en jour et il faut pouvoir faire quelque chose. Nous partons du principe que les cycles de vie des équipements chez nous ne sont pas les mêmes qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Quelquefois en Europe, je dirais généralement, le renouvellement des équipements, c'est chaque 5 ans. Mais chez nous, les mêmes équipements durent 20 ans. Ça veut dire qu'il y a ici un foyer d'équipement, un potentiel d'équipement qui n'est plus utilisé ici et qui pour nous peut aussi encore apparaître comme des équipements neufs. Parce que chez nous, une ambulance qui a 5 ans, c'est encore un équipement très neuf. Là où on continue à transporter quelquefois des femmes enceintes sur des mobilettes ou sur des vélos, vous imaginez bien que si vous nous donnez des ambulances qui ont 10 ans, pour nous c'est la pluie qui vient au moment où on s'y attend le moins. Donc pour nous il y a un potentiel d'équipement qu'on peut recueillir ici en Europe et aux États-Unis et encore dans les pays développés,
mais encore faut-il être organisé, encore faut-il établir les liens, encore faut-il entretenir ces liens, surtout sur la base de la confiance, parce que nous remarquons que de plus en plus les donateurs veulent faire du bilatéral, ils veulent s'adresser directement aux bénéficiaires, plutôt que d'inscrire toujours leur aide dans le caractère multilatéral où la visibilité est moindre. Et nous voulons constituer cette plateforme qui va mettre en exergue les personnes réellement défavorisées, les personnes réellement dans la détresse, les personnes qui ont réellement besoin de l'aide pour les rendre visibles vis-à-vis des donateurs. Parce qu'il est toujours agréable pour un donateur qui est en Europe, qui est à 6000 km de nos terres, de savoir que la chaise médicale qu'il vient de donner a été attribué à tel monsieur, de voir son visage, de le voir assis dans la chaise. Il sait que de sa chambre ici, qui est à 6000 km de la Côte d'Ivoire, il a aidé quelqu'un. Mais si cette aide se noie dans un fleuve, dans un océan, c'est vrai qu'il sait que son aide est partie, mais quand il n'y a pas de traçabilité, c'est toujours une symphonie inachevée. Nous voulons créer ces cadres où il y a la transparence, où les gens ne sont pas sélectionnés sur la base de l'ethnie, sur la base politique, sur une autre quelconque base, mais sur simplement une base purement humanitaire. Mais pour constituer cet outil, il faudrait que nous soyons tous des acteurs, que nous nous approprions tous l'outil, que dans cet outil-là, on puisse retrouver des gens de tous les bords, des Ivoiriens de tous les bords politiques, des Ivoiriens de tous les bords, je dirais ethniques, religieux, régionalistes, pour que ce soit un creuset social, mais en même temps un creuset de rapprochement. Et constituer que toute notre diversité est aussi une richesse. C'est tout ça le projet du CIRAD, parce que nous ne pouvons pas implanter un tel outil dans un pays qui a vécu 10 ans de guerre, où les cicatrices sont encore béantes, où les gens sont méfiants. Nous ne pouvons pas implanter un tel outil sans tenir compte de cette réalité. C'est pourquoi le CIRAD veut s'appuyer sur ce qu'on appelle la diversité. Si vous regardez sur nos pochettes, on dit que le CIRAD travaille dans la diversité parce que nous sommes conscients que notre tissu aujourd'hui est trop sectaire et qu'il faut rapprocher les gens autour des projets qui nous rassemblent. Parce qu'un point d'eau n'a pas de parti politique. Un point d'eau n'a pas d'ethnie. Ceux qui viennent s'abreuver à un point d'eau potable viennent de tous les bords. Il faut que cela puisse être notre réalité, il faut que cela puisse être un enseignement pour nous. Donc voilà le projet du CIRAD. Faire en sorte que nous constituons un outil qui soit un outil de proximité, qui puisse être dans les villages, qui puisse être dans les cantons, dans les contrées, mais de l'autre côté, que nous puissions avoir un réseau de donateurs. Mais des donateurs que nous pouvons rassurer par la transparence des dons, par le retour que nous leur faisons de la remise des dons aux personnes véritablement nécessiteuse. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs de Toulouse qui sont du PHI et qui nous ont déjà aidés et pour leur dire que vraiment leur aide a été vraiment le bienvenu. Et ils pourront peut-être voir quelques images tout à l'heure, c'est émouvant. Ils pourront mettre un visage sur les personnes qui ont reçu leur don et savoir en même temps que ces personnes n'ont pas été triées sur un critère autre que le critère humanitaire. On ne connaît pas leur parti, on ne connaît pas leur ethnie, on ne connaît pas leur région parce qu'on ne leur a jamais demandé cela. On a considéré simplement leur nature, leurs besoins pour pouvoir leur donner ces biens et ces dons. Et l'un des principes qui nous tient à cœur au niveau du CIRAD, c'est de faire les dons publiquement. Pas les dons entre deux murs. Parce que le public devient témoin, quand la société elle-même devient témoin de l'acte, alors chacun prend un minimum de précautions pour faire les choses de façon plus rationnelle, de façon plus crédible. Donc voilà ce que je peux dire, comme il y aura d'autres questions. Voilà, pour dire que le CIRAD est apolitique, il n'est pas interdit aux hommes politiques, mais il est apolitique. Nous pouvons travailler ensemble sur le social et puis après chacun peut aller faire son slogan politique. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Il n'est pas interdit aux religieux, ce n'est pas une structure religieuse, mais nous pouvons venir faire du social ensemble et après chacun peut aller prêcher sa bonne parole. J'ai dit que le CIRAD est un carrefour. Quand on parle de carrefour, c'est un lieu où des gens d'horizons divers viennent se croiser. Mais ces carrefours
met en jonction essentiellement deux mondes. Un monde qui est dans la nécessité et un monde qui peut être pourvoyeur d'aide. Le monde qui est dans la nécessité, c'est le nôtre, qui est la Côte d'Ivoire, mais je dirais la Côte d'Ivoire rurale, la Côte d'Ivoire, je dirais, de monsieur tout le monde. Nous ne nous adressons pas à la classe, je dirais, moyenne ou à la classe supérieure. Nos dons, nos préoccupations vont aux personnes qui sont dans les villages, nos personnes qui sont des handicapés, qui sont des malades, mais qui n'ont pas accès aux structures telles qu'elles sont constituées actuellement, qui sont pratiquement, je dirais, dans l'informel, qui n'arrivent pas à accéder au social. Vous savez que dans tous les pays, le social est structuré de façon très différente. Chez nous, le social est encore assez centralisé. Et les gens qui sont éloignés des centres de décision n'ont pas accès au social. Et c'est ce plus-là que nous voulons apporter. C'est cet appui que nous voulons apporter à la politique sociale qui est en place, faire de la proximité et toucher réellement ceux qui sont loin des centres de décision. Ceux qui sont loin des centres où on peut s'occuper des personnes nécessiteuses. Donc ça, c'est le premier monde. Le second monde, j'ai dit que c'est le monde des pourvoyeurs. Et c'est généralement, c'est le monde développé. La France en fait part. Nous sommes en Europe. Nous voulons avoir un maillage de l'Europe pour essayer de mobiliser le maximum d'aide pour aller satisfaire les personnes que j'ai citées premièrement. Donc c'est à la fois en Europe, c'est aux États-Unis. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'Europe. Nous sommes en train d'implanter une coordination en France. Nous allons implanter des coordinations dans d'autres pays européens pour capter le maximum d'aide. Et ce que je peux dire à nos frères européens, c'est qu'il y a ici beaucoup d'équipements qui sont peut-être pour eux hors d'usage, mais qui chez nous sont encore très utiles. On peut vous apporter le maximum de documentation que vous pouvez solliciter pour vous dire que chez nous, il y a encore des femmes enceintes qu'on transporte de leur village à la ville sur le vélo et qui quelquefois accouchent en route et que les enfants meurent. Ça, c'est la Côte d'Ivoire rurale. Et c'est de cette Côte d'Ivoire rurale que nous parlons, pas de la Côte d'Ivoire urbaine. Et même quand nous sommes en milieu urbain, nous sommes dans les zones défavorisées pour aider ceux qui n'ont pas accès au minimum. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que pour vous, tout ce qui peut paraître inutile peut avoir de l'utilité. Les premiers rendez-vous sociaux que nous avons faits nous ont démontré cela. Les chaises roulantes, les béquilles, les déambulateurs, les matelas, les lits d'hôpitaux. Nous avons équipé des dispensaires et des maternités où il n'y a pas de lit, où les malades venaient se coucher à même le sol. Mais vous voyez que pour eux, un lit qui a été, sorti des salles ici, même s'il est vieux de 20 ans, il a une utilité. Donc c'est important qu'on puisse partager là-dessus, mais en même temps que nous puissions vous donner la garantie que chaque aide que vous allez donner ira aux personnes défavorisées. Nous nous en portons garant. Nous nous en portons garant par la parole, mais nous devons aussi, en tant qu'acteurs du CIRAD, nous en porter garant par l'action. Bon, il y a une présidente France qui va vous proposer des fiches d'adhésion et même peut-être une plateforme sur le net pour que les gens puissent adhérer, pour qu'on puisse les contacter. Mais ce que vous devez retenir, le CIRAD ne vient pas recueillir de l'argent aux adhérents, notamment de la diaspora. Le CIRAD utilise les adhérents de la diaspora comme un canal d'accès à l'aide. Vous êtes dans des villes, vous êtes dans des ONG, vous êtes dans des structures, vous pouvez être les porte-parole du CIRAD pour mobiliser l'aide. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la politique est une notion très complexe et très difficile à définir. Demandez à 10 politiciens, qu'est-ce que c'est que la politique, vous n'aurez pas 10 réponses identiques. Vous comprenez? Pour moi, tout ce qui touche aux affaires de tout le monde, c'est de la politique. Sauf qu'il faut faire la distinction entre la politique politicienne
et la politique de développement. Nous, nous sommes dans la politique de développement. Ok. Je disais tantôt que nous, nous avons eu une idée dont nous voulons faire un outil de développement. Mais cet outil de développement, ça va s'implanter dans un milieu, dans un environnement qu'il ne peut pas ignorer. Nous sommes obligés de nous adapter à cet environnement, à ces milieux sociologiques qui est le nôtre. Et ces milieux, c'est lequel? C'est un milieu qui a vécu 10 ans de guerre, où il y a encore des déchirements, et nous voulons être également un outil de cohésion. En même temps que nous sommes un outil d'aide sociale, nous voulons être aussi un outil de cohésion. C'est pourquoi nous avons basé notre action sur la diversité, pour pouvoir rapprocher les Ivoiriens les uns des autres, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils soient musulmans, chrétiens, et que sais-je encore, nous devons les rassembler pour travailler d'un seul élan. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que cela c'est de la politique? Si c'est de la politique, moi je voudrais que ce soit seulement et simplement de la politique de développement. Pas de la politique politicienne. Nous n'avons à faire l'éloge d'aucun parti. Nous n'avons à faire l'éloge d'aucune doctrine politique. Ce n'est pas notre métier. Mais s'il s'agit de dire qu'il faut améliorer le social, s'il s'agit de dire qu'il faut que le social aille au plus proche de nos parents, qui aillent dans les confins des contrées, alors si c'est ça la politique, alors nous en faisons, mais nous en faisons simplement pour aider l'humanité. On ne rentre pas vraiment dans ces débats. Notre réponse à ces débats, c'est de faire en sorte que quand on vous parle du CIRAD, vous voyez des Bété, des Djoula, des Baoulé, des Gourou. Et vous comprenez que tous ceux-là, ils ne sont pas de la même région, mais qu'ils sont arrivés à mettre quelque chose ensemble. Et que cette chose qu'ils ont mis ensemble œuvre pour l'intérêt et pour le bonheur des Ivoiriens. Nous, nous raisonnons par l'exemple, pas par la doctrine. Donc, nous n'avons pas à répondre à ces personnes. Ce que nous avons à faire, c'est de construire quelque chose qui ait une image et qui ait une image forte, qui peut convaincre. Moi, j'ai vu sur le net quelqu'un qui disait... concernant le CIRAD, pour dire oui, ils font tout ça, ils disent tout ça, mais il doit y avoir de la politique derrière. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je vous invite à y adhérer pour venir témoigner de cette politique. Si vous y adhérez, on va construire le projet ensemble, on va le mettre en œuvre ensemble et vous retournerez dire aux autres ce que c'est réellement le CIRAD. Moi, je ne cache pas que je suis un élu, qui appartient à un parti. Mais un élu qui est ouvert au monde, un élu qui est ouvert aux élus de tous les autres partis, aux Ivoiriens de tous les autres partis. Moi, je ne suis pas gêné, je n'ai aucune honte à m'asseoir dans le CIRAD avec quelqu'un du FPI, avec quelqu'un du PDCI, avec quelqu'un de l'UDPCI, quand il s'agit de venir parler de points d'eau, quand il s'agit de venir parler d'école, quand il s'agit de venir parler de santé, parce que c'est ça le plus important. Tout le reste n'est que de la posture, et la posture ne nous intéresse pas. Dans la structuration et dans l'organisation du CIRAD, j'ai dit qu'il y a des coordinations régionales qui sont des démembrements, je dirais, géographiques du CIRAD. Mais à côté de ceux-là, qui sont censés de gérer la proximité du CIRAD avec les populations qui sont au plus profond de nos terroirs, il y a ce qu'on appelle les pôles de développement, les pôles sectoriels. Et il y a 12 pôles. Il y a le pôle santé, qui est constitué des médecins, des sages-femmes, etc., qui mettent en forme les projets liés à la santé quand ils recueillent les données, ils reçoivent les données. Il y a également le pôle éducation, qui recueille les données au plan de l'éducation et qui les transforme en projet. Mais ces pôles sont constitués d'experts. Quand on construit un projet, moi-même je suis ingénieur projet, on ne commence pas par dessiner les équipements. On commence par décrire l'état des lieux. On commence par décrire l'environnement. On commence par dire pourquoi ça ne marche pas avant d'arriver à des propositions qui peuvent être des propositions matérielles ou structurelles. Donc c'est en ce niveau-là que nous pouvons critiquer l'existant et faire des propositions. Mais nos propositions n'iront jamais au niveau de l'objection de conscience, de la critique des politiques. Nous, nos propositions viennent dans la critique de la matérialité de la chose.
Quelqu'un me demandait un jour si le CIRAD serait prêt, et c'était sur un plateau télé, si le CIRAD serait prêt, par exemple, à soutenir un homme politique. Je leur ai dit, ce n'est pas l'objet du CIRAD. Le CIRAD ne soutient pas des hommes, ne soutient pas des personnes. Le CIRAD soutient des actions. Si un homme politique pose une action qui est une action sociale, alors le CIRAD fait la promotion de l'action pour que l'action serve d'exemple. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question.